Whiskas. Ah, c'est un squeletton qui est déguisé en cul. Habille-toi un petit peu, Salmo. Reste pas tout nu devant les gens. Allez, c'est quoi? Un zombie qui quelque part. Creeper. Comment t'as volé? Tu vas mourir. Allez, d'accord. Suivant. On va faire une pause, il faut que j'aille aux toilettes. Salut, salut, c'est Biloulette et Pims. Coucou, les petits loups. Donc on continue un petit peu le... On va se diriger tranquillement vers la sortie, mais commencer par quelques bêtes d'abord. Ah ben, on revient chez nous, là. Mais oui, mais il y a une bête. Putain, elle... Ouais, attends, je vais mettre le F3, parce que ça m'énerve de la chercher. Ah, elle est au-dessus. Elle est au-dessus, la bête? Ouais. Enfin, quoi qu'elle est loin... Non, c'est bizarre. Oh punaise! C'est bon, chouchou. Tu l'as? On a encore de la caverne. Je te rappelle, ici j'avais tout muré en scie, donc faudra un jour venir par là. Ah bah oui. Mais attends, hein. Attends, moi je laisse pas une bête derrière nous. Hein. C'est même pas négociable. Elle est en hauteur, hein. Ce genre de choses m'a déjà fait peur. Je serais sous la mer, j'irais quand même la chasser. Bah je sais. Tu nous as fait, juste parce que t'as vu des bêtes dans la mer, tu nous as fait descendre dans une caverne, on a failli mourir 12 fois, en plein milieu de la flotte. Donc, je confirme, quand il y a une bête, même s'il y a de l'eau, elle s'en fout. Elle est vachement haut, hein. Je sais pas. J'ai peur, en fait, qu'elle me tombe dessus. Bah oui. C'est toi qui viens de faire pchit? Non. Ouf, ça tombe. Putain. Je t'ai mis un coup, puis alors moi j'ai reçu mes violents là. Attends, faut que je mange. Oh, la vache. Truc de fou. Va falloir que je fasse du pain moi, parce que le steak il va pas y suffire. Attends, hein. Attends. Ça, chouchou. Allez, merci, parce que là... Voilà, c'est bon. Et puis l'armure, elle a pris un coup, mon vieux, mais... Ouh, recule. Putain. Putain, bloc de terre, quoi. Super. Oh, attends, putain. Faut pas prendre ça comme ça, surtout. Bah, ceci dit, ça y est, ils sont morts, hein. C'est quoi, on va aller se taper, Ouais, mais... L'autre. C'est pas que le zombie qui a failli être mort. Bah ouais, ouais. Bah non. Bah j'ai fermé, moi, pour que... Putain. Ça sent le cul-de-sac. D'accord. Ouais. Là-bas, j'ai l'impression qu'il y a du sable. En fait, on arrive à home. Bon, tu veux te redescendre, te refaire l'autre partie là qu'on avait noté, et puis ouais, on va faire cette dernière partie, et puis on rentre après. On sort, et puis t'as vu, on est, enfin, oui, on n'est pas très 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 loin. Enfin, on est en hauteur, donc on n'est pas très 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 loin en fait. De la maison, ben non, de toute façon. Non. Ni de la sortie. Bah pourtant c'est éclairé. Bah oui, je comprends pas là. Bah on l'a peut-être fait après. C'est celui-là dont tu parlais tout à l'heure? Bah je dis. Enfin je crois. Hein. Bah oui, c'était par là. Bon bah écoute, on a dû le faire de l'autre côté sans s'en rendre compte. Ça c'est possible. Certainement.
Tu vas où, là? Je balade. Mais là, c'est con, on redescend. Il faudrait remonter. Parce que quitte à remonter à la maison, autant partir de haut. Pour que t'aies pas à creuser comme un sourd. Il y a des bêtes par là, en fait, c'est pour ça. Ce qui est bien avec moi, c'est qu'il y a un bloc de fer. On allait l'oublier. 2, 3, en fait, 4. 6, 12, 28, 32, tu sais, genre. Le filon infini, tu sais. C'est ça. Alors, je sais que c'est tout noir. Ah, bah voilà. Par contre, il y a des bêtes au-dessus. J'entends chuter. Ouais, mais ça a l'air d'être un cul-de-sac, non? Ah non. Ouais, mais ça. Si. En haut, ça. C'est quoi? De toute façon, je vais pas pouvoir partir sans avoir au moins tué ces monstres qui queen là. Pire, ça nous fait remonter, hein. Mais fais attention à pas te les reprendre sur la tête. D'ailleurs, je vais rester un peu en recul pour que tu puisses descendre en cas de pépin. Ben non, mais tout à l'heure, ce qui a fait qu'on a reçu comme ça, c'est que moi j'étais derrière. Là, j'ai l'impression que je les prends pas. Enfin, je les prends bien là. Non, pas du tout. Dans quel état t'es? Ça va. Alors. Oh putain! Dans quel état t'es? Ça va. Ça va. Bon, alors, méthode. Aïe! Pas ça. on va contourner de manière stratégique. D'accord, je te laisse faire, je te regarde, moi. Je te regarde et je rigole. Non, je rigole. Ça a l'air calme là, rien. Tu peux venir. Alors doucement par contre. Il y a quelque chose par là. Oui. Oh mon dieu! C'est quoi? Oh, c'est... Creeper! Recule! Une famille. Ah oui, il y a une famille, ouais. Derrière moi. Ouais, non, recule! On a tout tué? Non, il y en a deux au fond. Mais il y a l'air d'avoir un gouffre devant. Attends. Oh, on va faire ça comme ça, s'il tombe. C'est quoi ce cobble encore? Ah non, c'est attends. C'est un truc à nous. Détale-toi. Ouais. Recule. Ça peut nous arriver par là. Quoi, je comprends. Non, mais là, il y en a en face un creeper et un... Mais là, ok, ah. C'est un cul-de-sac, je suis rassurée. Et maintenant, on peut aller en face. Donc, il y a Creeper et Archer en face. Hein. Y a rien en bas, là. Je ne sais pas. C'est quoi, ce cobble, là? Bah, justement, je ne sais pas non plus. Ah si, mais si, c'est moi qui ai fermé quand on s'est pris tous les trucs sur le museau. Merde, lève-la. Lève-la un zombie. Putain. Attention à toi, Pims. Bon, il y en a un autre là-bas au fond. J'arrive à le toucher, c'est cool. Tiens, tu vas mourir, ouais. Ça y est, il est mort. Par contre, il y a toujours un creeper qu'on n'a pas vu, hein.
Un deuxième creeper. Il est pas mort qu'on Non. peut être explosé. Non, parce qu'il était au fond avec les archers. Bah, peut-être je l'ai rêvé. Il l'aurait pas tué. Peut-être je l'ai rêvé, le creeper. Désolé pour le téléphone. Attention, archer. Ok. D'accord, il n'y a rien. Dun 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 Alors, il ressent. Hein? D'accord, non, c'est moi qui ai rêvé. Je croyais que ça pathogie. Bon, bah voilà, on a. Attention, il y a une. Ils peuvent nous tomber sur le coin de du nez là-haut, je crois, non? Ouais, il y a une entrée. Méfie-toi. Mmh. Bah là où tu creuses, au-dessus du gravier, il y a une. Ah oui. Ouf! Alors, je peux couper ça. Hop. Bon, c'est un cul-de-sac ou pas? Ouais. Bon, bah écoute, on est à quel étage là? On est au 33. Ouais, par de là. On repart de là? Ça, ouais. Parce que là, du coup, on a tué toutes les bêtes que tu voulais tuer. Oui. Et puis il faut qu'on vous montre, on a Chocobo et Vortic qui nous ont fait un métro qui relie la maison de Drôle de Drame au centre du serveur. Donc c'est trop génial parce que ça arrive carrément au pied de chez nous, quoi. Donc maintenant quand on veut se balader de l'un à l'autre, c'est trop facile, trop bien. Trop facile, trop bien. C'est clair que c'est sympa ce qu'ils nous ont fait, hein, punaise. Hein. Ils ont dû quand même passer un sacré moment. Ah bah ça, ouais. Ça nous a coûté quelques blocs de fer et quelques blocs d'or aussi, hein. Oui, j'ai pas participé. Bah si, puisque j'ai donné... Ah bah non, d'ailleurs, j'ai pas donné sur le compte de Drôle de Drame, mais sur le mien perso. Mais c'est pas grave. De toute façon, avec la quantité de trucs qu'on avait, là, franchement... On avait de quoi. Et je vois rien là. C'est quoi ce bazar? Si, si. Ça fait plaisir de jouer. Hein. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Je veux pas aller travailler demain. Puis on va aller voir notre maison. Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu, notre maison. Oh oui. Notre jolie maison. J'ai bien envie de commencer le bateau, en fait. Ouais, il faudrait qu'on règle le problème de l'histoire de la sandstone dans la maison, là. Il y a... un de mes abonnés, ou une d'ailleurs, je ne sais pas, je ne me rappelle plus. Je ne sais plus si c'est une fille ou un garçon, je crois que c'est une jeune fille d'ailleurs, qui me disait de remplacer la stone par de la sandstone. Puisqu'en fait, comme elle me disait, en fait, les mobs, ils ne spawnent pas
sur des demi-blocs. C'est quoi? Une araignée, d'accord. Non, un archer. Mais il est où? Ah, d'accord. Attends, rentre. Ouais, parce que là, il y a du monde quand même. Ouais. On va peut-être attendre que le jour se lève. Si t'as du pain, je suis preneuse. Non. Non. J'ai du blé, mais j'ai pas. Bah... Attends, quel est-ce que j'en ai moi? Bah, je vais faire un atelier. Attends, j'en ai un, c'est ça. Bah, vas-y, pose un atelier, je vais me faire du pain parce que je vais jeter les trucs dont j'ai pas besoin. Ouais. Voilà. Bon, bah, écoute, on revient avec une belle pioche là, hein, putain. Plein de ressources. C'est clair. Hop. Et voilà, je vais manger mes petits au pain. Donc je disais, j'ai besoin de jeter ça pour récupérer mon blé. Hop. Et virer ce dont je n'ai point besoin. Bah écoutez les petits loups, on vous reprend tout de suite, comme ça on va rentrer sur un épisode 9. Salut, salut. Oui, ouais, on va faire attendre la nuit entière. Voilà. Bye bye. Bye.